On est à Taipei, du coup, fallait que je vous raconte ce qui s'est passé ce matin. J'ai vécu le premier tremblement de terre de ma vie. Raconte-moi. Tout pareil. Je m'en réveille à 7h du matin à cause de ça. Écoutez, tremblement de terre. Truc de... Bon, je suis choqué, je suis encore choqué. Je vous mens pas, à 7... on a dormi à 3h ou 3h30, à 7h, je sens des vibrations. Genre, je suis comme ça. Il en fait trop. Non, c'est vrai, truc de ouf. On se réveille, l'estomac qui bouge comme les montagnes russes et ça secoue comme ça. Sauf que t'es dans le lit et tu te dis, bah attends, le lit est pas sur des ressorts. C'est pas le lit qui bouge, c'est pas l'appart. Et après, quand le temps que ça vienne dans ta tête, que c'est le sol entier qui tremble. Il dit ça, il dormait. Il s'est pas réveillé. Bref. Et du coup, j'ouvre les yeux, je me réveille. Ouais, j'avoue, c'est beau gosse. Regardez les. Ce qu'ils mettent. C'était la petite pause bassin naturel là que je vous ai mis dans l'image juste avant. Du coup, on se réveille. Enfin, je me réveille et le sol il tremblait. Enfin, le sol, bref, le lit tremblait. Et j'ouvre les yeux, je dis tremblement de terre, truc de ouf. Et je vois à côté de moi, il dort. Ça a duré, je sais pas, une minute, moins d'une minute, je pense. Bref, en tout cas, ça a duré. Et après, je le réveille. Et quand il se réveille, ça tremble encore. Et je lui dis, il y a un tremblement de terre, il y a un tremblement de terre. Après ça s'est arrêté, Sur tremblementterre.com. Voilà, c'est pas ça, mais en gros c'est ça. Le site qui recense les tremblements de terre. Tremblement de terre. Et il y avait écrit qu'il y avait bien un tremblement de terre. Magnitude 6.5 sur l'échelle de Richter. C'était ça? 6.5 ou 6.3, c'est un truc de ouf, ça me paraît élevé. Donc voilà, oulalalala. Donc voilà, c'était pour vous dire ça, j'ai vécu mon premier tremblement de terre. À Taïwan, le 24 octobre 2023. Du coup, on est dans le quartier à côté de l'hôtel. Franchement, je peux pas vous dire le nom, mais voilà. C'est incroyable, on est dans le quartier de... Lex, plus autour du monde, avant la Burj Khalifa, Taipei 101 Tower. Taipei City Hall, si vous venez, vous cherchez le nom du quartier. C'est incroyable, vraiment 20 sur 20. Je vais vous faire des plans de la tour, du quartier et de tout ce qui s'ensuit. Franchement, magnifique, vive l'Asie. Après la Taipei 101, on est au Night Market de Shilin. Night Market touristique, hein. Calmons-nous, mais on prend quand même. Je vais vous faire des points, des photos et tout, parce que je suis un touriste, même si je suis taïwanais dans ma tête. Et voilà, ils vendent de tout, des costards, de la bouffe, des valises, des gadgets, etc., etc. Let's go! Oh,
moderne toilette restaurant. Tu manges dans des cuvettes de toilette. En vrai, le concept, il est... Je sais pas trop, mais...